Et les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FC24 avec le Chester FC. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Donc là, on est avec notre petite équipe du Chester. On joue le 5e tour de Carabao Cup, donc contre les Wolves. Normalement, pas trop de problèmes. Ils sont en PL, je sais plus. Mais on va jouer avec l'équipe B dans tous les cas. S'ils sont en PL, ils sont dans le bas de tableau PL, donc ça devrait encore aller. Donc je peux mettre en avant mon équipe B dans tous les cas. Ok, pas de souci. Donc let's go. Là, l'objectif, c'est d'aller... jusqu'à la fin et de gagner cette coupe. On a déjà gagné la Carabao Cup, maintenant on a la FA Cup. Ok, oh, il est en avant, hein. Mathias Marc, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, c'est parti les gars, on doit mettre une petite volée au Wolf pour passer. J'ai tenté. Je pensais qu'elle allait plus se relever, mais pas du tout. Au centre, quelqu'un. Allez, dessus. Eh oui, mon gars! Je pensais pas que ça allait passer. C'est quoi ce but de merde? Premier match, but bizarre. Tu récupères la balle face à face, t'arrives, tac! Ok, et là, t'as vu ça à la mettre. Magnifique. 1-0 pour nous, but de Marc. Très très bien. C'est gentil. Bien joué à Costa. Oh, j'ai paniqué. Quand j'ai vu tirer, j'ai fait non, ne marque pas. Oh non, Diamri me blessé. Hop, faute. Allez, Diamri, même blessé, t'es plus fort. Ah oui! Ce mec est trop fort. Regarde-moi ça, ça c'est de la frappe. Passe D de Tel. T'arrives devant le but, 84 de tir de loin. 75 de finition maintenant. Ouais, il te la place bien. Elle est dure à parer, je pense. Bien joué. On continue. Ok. Mi-temps, 2-0. Parfait, hein. Ça se passe plutôt bien. Faut qu'on continue comme ça en deuxième mi-temps et qu'on prenne pas de but. Et comme ça, ce sera parfait. Ok. Ok. Bien vu, Acosta. Tu l'as vu, t'es seul. Changement d'aile. Centre. Tête. Dommage. Hop là, let's go, 2-0, victoire pour nous, on valide, Manchester United qui a gagné, ouh, Middlesbrough, Brighton, c'est serré, j'ai vu quoi d'autre, West Brom qui passerait, j'ai vu quoi, Brighton au final 4-3, Everton 3-0, Liverpool qui perd face à Chelsea, t'as plein de petits clubs qui sont passés encore. C'est cool. C'est plutôt cool. Après, on joue en première ligue contre Burnley. Donc, on est très largement premier. Ils ont un match d'avance en plus, City. Donc, on est largement premier. Et ils sont largement deuxième. Donc, vice versa, tu vois. Donc, vraiment, c'est une sacrée différence. On prend pas beaucoup de buts. On marque beaucoup de buts. On a une différence de buts de 60 presque. Donc, parfait. Liverpool 13e. Hein. Liverpool 13e. C'est catastrophique. Ils sont plus qu'à... ils sont à peu près 16 points de l'Europe. Après, on a Everton qui a regagné, donc c'est très très bien. Faut que mes poulains de là-bas, ils continuent de stater. C'est-à-dire de faire des stats, hein. Pas autre chose. 10 matchs pour Christiansen. Et il passe à 77 le jeune. 77 à 19 ans. Très intéressant. Marshall qui fait des matchs. Ouais, j'ai plusieurs joueurs qui font des matchs. Ouh. Lui, très intéressant avec son équipe. En numérique FA Cup, il a 4 matchs joués, 4 buts, une passe D. Ah, il joue à Middlesbrough. Oh, let's go. Parker. Il a fait 3 matchs en Carabao. Je vois Brentford, Aubert. Il a pris un plus 2. Ah, j'ai vu un plus 6 là. Oh. C'est bien ça. Continue. Plus 5, plus 5, plus 1. C'est bien ça aussi. Il a Fribourg, plus 3, plus 4.
plus 3. Ah, il joue à Coventry en plus. Ah, mais il joue Coventry, c'est en PL en plus, c'est en Championship. Ça joue pour la montée. Match décalé, rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Ça dit quoi? Encore 18 semaines. Ok. Lui, il a 16 ans. Promouvoir. Ouais, 76-82, je sais pas si ça vaut le coup. On va le promouvoir quand même. On le promue quand même et on va voir si à 20 ans il stade pas, on le dégage. À 20 ans s'il stade pas, tac 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 tac. Ils sont tous en prêt. Ils sont tous en prêt. J'ai une armée de joueurs en prêt, c'est un truc de ouf. Alors, jouer le match, c'est parti. On joue contre Burnley. Je vais remettre l'équipe B, ça fait longtemps qu'elle n'avait pas beaucoup joué, donc je préfère la mettre en avant, sachant qu'après il y a le match du Bayern qui arrive, et c'est vraiment le match le plus important de la saison, donc pour l'instant. On ne peut pas ne pas évoquer son nom avant cette rencontre. Ah, 34 buts, meilleur buteur de la Premier League. C'est parti. Pour vous accompagner, beaucoup d'émotions en prévue. Le football ne s'arrête jamais. Bien placé pour une frappe. Oh là 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 là. Du Brésil. Oh là là, magnifique. Mathis Tel, toujours bon contre des petites équipes, mais aussi contre des grandes. Hop, toc, les 1-2, paf, paf. On a éliminé les joueurs assez rapidement comme ça. Passe D pour Marc. Très bien. Pas envie de passe sur corner. C'est bon. Ok, magnifique. Orera, tu l'as vu? Tu l'as vu? Ah, la barre. Ah, bien vu. Bien joué, Costa. Un jeu gardien. Maintenant, on évite de reprendre un but, s'il vous plaît. Bien joué, gardien. Pourquoi il passe? Comment il fait pour se retourner? Ouais, j'ai ma charnière centrale qui a pris un carton. On va changer la charnière centrale, je pense. Tiens. Ok, ok, ok. Ok. Dommage. C'était ça. Le jeu était là. Sur corner. Vas-y, il y a faute. Bien vu. Et voilà mon pote. Et deux passes D pour la récupération pour Marc. Haute, hop, il était seul. Paf, plat du pied. Et voilà. 2-1 pour nous. Mérité. 2-0 pardon. Ok. 2-0 pour nous à la mi-temps. Encore comme tout à l'heure, ça se passe plutôt bien. Ça le fout. Oh putain, je prends rouge. Ah, je savais. Attendez, je vais faire un changement là. Dispositif. On reste en 4-4-2, mais par contre, Bichabou. Place de Marc. Non. Ouais. Mettre Tel à la place. Toi sur un côté. Je vais faire mes changements maintenant. Hop. TC à la place de Morera. Et toi là. Toi là. On va faire ça. Et on va mettre notre charnière centrale habituelle. Bah, c'est bon. Je peux pas faire d'autres changements donc dans tous les cas. C'est parti. On fait les changements comme ça, moi il y a plus de problème. Ça part bien. Bien joué. Allez, ce coup franc finit sa course dans les bras du gardien. Allez, il faut redescendre, là il faut s'activer. Allez, la prise d'information pour amorcer une attaque. Tiens. Et c'est le but. 1-2+. Et voilà. Avec. C'est... Je me suis dit, vas-y, tu as marqué avec Matisse. Je fais bah non, non. Petite passe en retrait. Tac, tac. Et frappe croisée. Let's go. Ça, je valide. 3-0 pour nous.
But de Marc. Pour les stats, c'est important. Oh! Oh, dommage, elle passe vraiment pas loin celle-là. Je l'ai déposé sur sa tête. C'était vraiment le bon moment, mais non. Oh la chatte. T'as la balle, bien vu. Ils ont eu un coup de chatte quand même. Oh là, il y a beaucoup d'attaquants là. Oh, bien joué, gardien. Wouhou! Ouais, bah, il y a faute. J'ai fait une petite faute. Pas grave, on gagne 3-0, tout se passe bien. Ça va vers le point de pénalty. Allez, hop, c'est dégagé. Allez, Aubert. Oh, la main. Oh, bien joué. Putain, ils enchaînent les frappes là, c'est pas normal défensivement. Corner encore. Allez. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, t'es nul. Je t'aimais bien avant, mais là... Hein? Y a pas main du tout. Allez, je crois en toi. Allez, je crois en toi. Je crois en toi, oui! Bien joué, gardien. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non, mais t'abuses. On tire à... Il tire à droite? Allez, à droite. Allez! C'est quoi ça? Deux pénaltys, j'arrête les deux. Incroyable. Improbable. Ça m'arrive jamais, ça. Bon, fin du match. 3-0. Je suis content. La victoire est là. Même si ça a été vraiment compliqué, mais vraiment très compliqué. Comment dire? On n'aurait pas dû prendre le rouge. Déjà, on aurait dû éviter de prendre le rouge. Offre de prêt pour Clément. Près de 1 an. Joueur suspendu, ouais, je sais bien. Jour de match, donc on va jouer le match. Rapport d'avant-match, on a Moussiala, Retegui, Barnes, Prestiani, Fofana, Pavlovic, Akanji, Delight, Barbosa, Robertson et Unai Simons. C'est parti, voilà notre équipe à nous. Parce qu'on va devoir tout niquer si on veut passer. Parce que sinon ça va être très compliqué les gars. Très compliqué, on va devoir refaire une saison après. Et je vous avoue que moi j'aime bien la série, hein, mais FIFA 2025 il sera sorti d'ici là. Donc c'est parti les gars. On doit encore plus intense ces contrôles. Ah, j'ai tenté la frappe. On s'est dit pourquoi pas. Et bah non. Ok. Ok, tu l'as vu. Tu l'as vu. Ouais. Bien joué. On égalise. Grosse lourde. Avec ses frappes de ouf là. On va, comment dire que le gars il pouvait rien faire. Le gardien il pouvait rien faire. T'avais beau être le meilleur gardien du monde, tu pouvais rien faire. Oh. Oh, elle est belle. Ah oui, mon pote. 2-0. Passe de Matistel. Elle a passe, elle est incroyable par contre. Je sais pas si on va la revoir, mais elle est magnifique. Dommage, on la voit pas. Petite virgule. Hop là. Oh, bah tiens, il a bugué le gardien. Sinon ça rentrait, ça passait pas ça. 2-0. On a retourné le match en 2 minutes. La remontada. Ah, dommage. C'est bon. C'est pas très bien tiré, mais si tu veux. Bon les gars, 2-0 à la mi-temps. Pour l'instant, je valide mais totalement ce qui se passe. Victoire qui fait plaisir pour l'instant. Et passage en quart de finale. Ok, ok.
Ok. Ok. Ok. Ah, jaillissement très haut, le ballon est récupéré. Ah, la frappe est bien contrée. Ah, une frappe pour conclure peut-être. Allez, dans ta gueule! Extraordinaire! Grandiose! On en a rêvé! Il l'a mise de but! Incroyable! Comment vous voulez appeler ça? C'est pas une bicyclette, c'est pas un ciseau, c'est une étoile cosmique! Ça, c'est du but, mon gars! Bien joué! Ok, c'est bon. Et ce ballon passe assez loin du cadre. D'ouf. Nul. Ok. Oh, dommage. C'est pour le gardien. C'était ça. Sans problème. Oui, pourquoi pas. Dans le dos de la défense. MDR. Tu la mets celle-là, mon gars. Abusé. J'arrête FIFA. Franchement, j'arrête tout. Avec le ballon. Ah, c'est bien fait. Le centre en retrait. Oh, bien joué. Oh, je pensais pas. J'ai surtout cru au penalty de base. Oh, il les a mis deux dans le vent. Oh, oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, l'arrêt. Oh, j'ai pas cru l'arrêt là. Il a failli répondre à ah putain. À Mathis Tell. Non, non. Il faut frapper maintenant. Et c'est au fond. Voilà le but. Voilà pourquoi il faut y croire. Voilà pourquoi il faut pas. Pourquoi ils ont pas défendu correctement? Dommage. Bah, c'est pas grave. On gagne 3-1 heureusement et on a qu'un but d'avance. Pour éviter les... Et ça va nous presser jusqu'à la fin du match. Faut qu'on aille vraiment marquer le dernier but hein. C'est bon. Allez, allez, but, but, hein. Je sais pas, c'est un truc chelou là. Bon, on gagne, 4 buts à 3 au total. Ouh, c'était chaud. On a encore eu de la chance. Monaco qui fait 3-3 au tour, mais ça permet pas, je pense, au club, ouais, 6-4, ça fait la fin. Donc, nous, on prend Napoli, je pense, au prochain tour. Ils avaient fait 3-3 ici. Hein, y a des scores. Oh, PSV qui avait gagné 1-0, Dortmund qui avait gagné 1-0, Leipzig qui avait gagné 1-0. Les Juve 2-0, Fiorentina qui a tenu le Real. Ah là, il y a des résultats assez sympathiques, je pense, qui vont arriver. On a mis un banger en tout cas. Date limite, ok. Programme de développement de Mathias Damrim qui passe enfin les 90 de général. Incroyable. Est-ce que t'as un truc qui pourrait te plaire, toi, ça? Ouais, comme ça, il y a la finition. Il y a la finition au bout. Et au niveau... Hop, j'en rêvais, merci. Est-ce qu'au niveau des contrats, d'ailleurs... Ils sont toujours contents. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. Alors, on continue. Dernier match contre Brighton. Donc, un match important. J'espère qu'on en fera un bon résultat. On joue deux fois contre eux. On a une offre de prêt pour Bernard, qu'on va accepter, bien entendu. Et donc, on va jouer le match. C'est parti. Coup d'envoi. Donc, on joue avec l'équipe première. On va avoir Yoro titulaire du coup à la place de Bichabou. Donc Yoro lui va être content, il va avoir une place un peu plus importante dans l'effectif. Et il va potentiellement rattraper les autres hein, durant cette année. Peut-être à un ou deux de général 2 à la fin de la saison je pense, et je l'espère. Hop. Hop. Tiens. Oh, il est incroyable. Direct. Truc de ouf. Mathis Tell est reparti. Hein. La machine Mathis Tell est à nouveau partie. Paf. Pouf. Magnifique. Déjà un 0 pour nous. Le match commence très fort face à Brighton. On leur montre qui vont affronter en quart de finale, je crois, de FA Cup. Quoi, non. Ah, ce que tu rates. Bah, va, ce que tu rates, mais ce qu'on rate, voilà. Oh, l'arrêt. Le contrôle de poitrine était vraiment resté sur la poitrine.
Oh la main. On l'a vu. Attention, la faute elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. C'est qui est fort en, en précision coup franc? Ouais, mais lui il a la puissance, c'est le plus important. Allez, vas-y. Oh, passe pas loin celle-là. Passe pas loin. Il aurait été précis sur ses coups francs. Ouais, non. Fallait garder ton plus vite en fait, mais là c'était pas du tout le cas. Mais genre, pas du tout. Bien vu. Penalty. Oh là là, magnifique. Ferland Mendy en plus. Fais voir la main. Je crois que j'ai vu la main, elle est grossière. Elle est grossière. Ouais, je crois qu'il la prend sur le bras là, sur le côté. Barcola pour le 2 buts à rien. Lucarne posé. Hop là. Tireur de penalty. Barcola. Let's go. Une très grosse saison de sa part aussi. Oh ta mère. Oh rouge. 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 Bah oui, rouge. Oh elle est magnifique la passe. Oh la passe est magnifique. La passe est magnifique. La passe est magnifique. 3-0. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va. Bien joué, ça fait 3-0 pour nous. Doublé de Matistel, je crois. Ça se passe très très bien pour l'instant, malgré le carton rouge de Zaire Emery. J'enchaîne les cartons rouges ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? Juste ça. Voilà. Et je ferai les changements juste après. Barcola et doublé de Matistel. Bien vu. Let's go. 4-0. But de Doué. Le gardien, il bug. Il va falloir que je règle ce problème parce que ça commence à devenir embêtant. Ce genre d'action, tu vois. Le gardien, il doit venir sur moi, mais il reste bloqué. Et du coup, juste à tirer. Après, bon, ça me permet de marquer, mais. Bon, ça a fait. Pas. Oh non. Regarde le but de merde. Regarde, qu'est-ce qu'il fait? Sarr, tu fais n'importe quoi. Rien à dire. Il y a rien à dire. Pourquoi il est tout seul, Yoro? Ton placement, il est dégueulasse. Soulant. Après, on a un joueur en moins. Ok, magnifique. Ça partait bien. On va faire un petit coup de gestion d'équipe, dispositif, faire des changements. Duro, je peux pas le sortir. Barco, on m'a changé. On va le mettre sur un côté. Damorim dans l'axe. Toi sur un côté. Le maréchal, place de Kamavinga. Toi sur un côté. Et toi, place de Pierre. Intervention du gardien. Ok, magnifique. C'est parti, let's go! La tête! Attention la frappe! Oui, bien défendu! Et... Il n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but. On en est donc à 2 wow. Alors que nous en sommes à la 76ème minute de jeu. Compliqué là. Merci, et... Très compliqué. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. On vient à la faute. Quoi? Oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty. Et ça, je te jure, c'est le pire match de ta vie. Oh, il fait une main, cet abruti. Bon, allez, à gauche. Ouais, c'est dedans. Qu'est-ce qu'il est bien frappé, ce penalty? Tu peux anticiper, pourquoi pas? Oh, fait chier. Bon, ça fait 3-0. 4-3. But, allez, vas-y, marque. Difficile de reprocher grand-chose à cette tête qui passe près du but. Oui, le tir. Attention, c'était pas fini. Et finalement, tiens. Mange un coup de tête. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore en attaque pour essayer de. Hop là. Et voilà, l'arbitre fin du match. 4-3, on a eu chaud au cul, hein.
Franchement, je vais pas vous mentir, avec la petite souris qui vient se balader. Le carton rouge nous a mis mal, hein. Franchement, le carton rouge nous a mis mal. Je pensais pas à ce point-là, mais Zaïre Emery est tellement indispensable à l'équipe que bah, ça se sent. Donc, 6ème tour 2, Carabao Cup pour la prochaine fois. Offre de prêt pour Bernard. En Allemagne, je pense. Ouais, je suis suspendu, il a pris un match. Ok, prochain match, c'est contre Brighton. Délégué. Et toi, c'est accepté à Edens. Je pense que c'est 3ème ligue espagnole. Ah, rapport mensuel. Ah, vers l'écran de soumission de l'équipe. Nkunku est passé à 88 de général. Est-ce que ça lui permet de revenir dans l'équipe? Dembélé est à 87. Parce que là, techniquement... Ouais, ça va se taper avec Nkunku bientôt. Pareil que Kolo et Dembélé. Cherki qui arrive aussi en force. Coman qui va bientôt... bientôt Tej, ouais. Parce que là, j'ai quoi sur les côtés, en vrai? J'ai... AG, AD, AG, AD, AC et MD. Je t'avoue que j'hésite avec Cherki qui peut jouer à droite. Hein. Ah, y a Boubacar Camara aussi, le Yodis. Après, j'ai un DC ou pas qui. Ah, y a Fofana, Wesley Fofana ou pas Mécano. DD. Ah, Simakan, mais Simakan il est encore dans la tranche. Ah non, ça... y a juste Sacha Boué. Sacha Boué pour peut-être Tej bientôt. Au profit d'un... Ouais non, pas encore. Hein. Il y a plein de joueurs à 80. Ah, il y a mon joueur Marc là. Qui fait partie... Attends, c'est combien de tiens BU? Il y a... J'ai 1, 2, 3... 4... Ouais, 5... Et 6ème BU de France. Avec 84 de général. T'as Amin Gouiri à 84, t'as Ben Seguir, t'as Hugo Choukou, t'as Mohamed Cho, Mohamed Ladi Cho. Non, t'as plein de mecs, c'est abusé. Regarde, non mais attends. Ouais. En vrai, je dis ça, mais t'as lui aussi, là, regarde, Virginus. Il a, 20, il a que 25 ans, il y a Antiste, 25 ans, Begraoui. Je connais pas, mais il a 26 ans. Lucas Perrin. Il a, ah, il a 4, 77 lui. Je pensais pas qu'il allait avoir ce talent-là. Rasoul Ndiaye, je sais pas d'où il joue, lui. Il joue. Je dis pas. En tout cas, je vais soumettre l'équipe. L'équipe est correcte, donc on va pas y jouer davantage. Je vais rappeler en sélection, donc ouais, voilà. Hein. Offre de transfert pour Fontaine. Ouais, exactement, tu dégages. Un seul joueur qui sort du lot. Mais c'est bien, ils ont 17 ans, j'en ai rien à foutre en fait. Tant qu'ils récupèrent leur général, c'est une galère. Délai accord pour le prêt de machin. Accepté. Toc. Et Yoro m'a mis un message. De grands matchs nous attend. Et dans l'accueil équipe, du coup, ça dit quoi? Eh, hey, Matistel va passer bientôt la barre des 70 buts marqués. Donc il va avoir... il a 20 buts du record de Messi. Barcola, 21 buts. Il marque un match sur deux à peu près. Doué, 15 buts. Amorim, 15 buts. Mar, 14 buts. Et les passes D, c'est équilibré aussi. Hein. Ils font pas tant de passes D que ça, hein, quand tu regardes. Hmm. 13 buts en Champions League, 38 buts en Première Ligue, 11 passes D, incroyable. Première Ligue 7-7, 10-14. Lui en Première Ligue c'est un peu plus compliqué, hein, 5-12. Mais c'est quand même pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal. Barcola 12-19, 10-14, oh non c'est propre. Hein. Et maintenant on va regarder juste un peu mes mecs qui sont en prêt là. Plus 3. Attends, on va regarder dans les stats. Ok, donc on va pas regarder ici. Ok.
marqué. Barker, il continue de progresser, hein. Il continue de faire le taf. Blondel, ça y va. Uber prend plus 5 lui aussi. On voit pas trop leurs stats. Là, il y a des stats. Ça fait un mec des mérités Fight Cup pour une invincibilité. Robert a joué un match des mérités Fight Cup. Le jeune a joué presque tous les matchs. Et il commence à avoir des bonnes notes parce qu'il passe en plus les tours en FA Cup. Il a 3 invincibilités sur 4, c'est énorme. Thomas, Bouchard, Marshall, après voilà, c'est tout. Après, quand je vais les remettre dans un autre prêt, dans une autre écurie, ça va commencer à prendre. Donc, prochain match, on joue contre Brighton en Emirates FA Cup. J'espère que tout va se passer correctement. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Et on se dit bye bye.